Rocher, j'espère que vous allez tous très très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce magnifique cache-pot tout en crochet avec un fil fantastique, un fil doré qui lui donne tout son charme. Il est là pour sublimer votre plante. Moi j'ai choisi un grand pot car c'est une grande, enfin là elle est petite la plante mais elle va pousser donc ça va devenir une grande plante. Vous voulez, vous pouvez faire le pot à la taille que vous souhaitez. Je vais vous donner toutes les dimensions et toute la liste du matériel dont vous allez avoir besoin juste après. Donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Alors les amis, pour cet ouvrage, on va utiliser un fil qui est formidable. Moi je l'adore. Ça s'appelle Lycra Gold. La pelote elle pèse 300 grammes, mesure 150 mètres. C'est du nylon et du polyester. Accrocheté avec des crochets entre 5 et 7. Regardez ce fil, il est très très léger. Il est vraiment idéal pour faire des paniers, des corbeilles, des sacs, des pochettes, des trousses à maquillage, vraiment très joli. Je vous laisserai également tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous mettre des liens pour aller voir d'autres coloris. Il existe aussi en argenté et en d'autres couleurs. On va utiliser pour ça un crochet d'une taille de 5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un marqueur de rang. Pour les mesures, moi j'ai utilisé une bobine et il me reste tout ça de la deuxième. Donc si vous voulez faire un cache-pot plus petit avec une seule bobine, vous allez pouvoir faire un panier qui a, je crois, d'une hauteur de 18 cm. Sachant que moi, mon cache-pot, il fait 21,5 cm parce que j'ai pris un pot très grand. Mon pot, il fait 23 cm de millimètre et 21 cm de hauteur. Et mon panier, mon cache-pot, lui, il fait 21 cm de diamètre, d'accord, parce qu'il faut que le diamètre du cache-pot soit plus petit que le pot pour que le cache-pot soit bien serré à l'intérieur du pot et que ce soit bien joli, que ça ne bave pas, qu'il y ait un beau rendu. Voilà, et oui, et j'ai utilisé également un fond de panier que vous voyez ici en bois de 15 cm de diamètre. Si vous voulez, je vous laisserai toutes ces infos en descriptif. Voilà, c'est parti. Donc nous allons prendre notre fond de sac, notre joli fil et le crochet. Hop. Dans chaque trou, on va faire deux mailles serrées dans un trou. On le fil, on le ramène à l'intérieur et ici on fait une, hop là, une boucle. Donc vous voyez, pour le travailler il faut l'aplatir à chaque fois. Ok, on a déjà une première maille en l'air, donc à l'intérieur on va faire deux mailles serrées. Voilà. Une et deux. Donc c'est aussi l'important de bien choisir le crochet. Voilà. Qu'il puisse passer à l'intérieur du petit orifice. C'est parti. Deux mailles serrées à l'intérieur du trou suivant, donc une et c'est typiquement la chose qu'il va falloir que vous, dont vous, il va falloir s'habituer en fait, c'est aplatir à chaque fois le fil pour qu'il ait un joli rendu.
et je vous promets qu'il vous aurez un très joli rendu. Et surtout, comme il est très léger, ben, oula, vous allez adorer. On continue, les amis. Deux mailles serrées dans chaque trou. Par exemple, vous pouvez adapter ce fil à ce sac que je suis en train de vous montrer, que vous pouvez trouver également sur la chaîne. Et voilà, les amis, le résultat. Donc, avant de commencer le point, on va faire un tour de mailles serrées. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière pour donner une petite ici un petit relief au fond du sac. Donc, pour fermer le tour, on va faire une maille coulée dans le brin arrière de la première maille serrée. Ok, ici on monte une maille en l'air pour la hauteur et dans la même maille, on fait une maille serrée. On va pouvoir placer le marqueur ici parce qu'avec les mailles en l'air, les mailles coulées, tout ça, on se perd des fois. Donc, dans la En haut de la maille serrée, on positionne le marqueur. Et puis, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Pas d'augmentation, hein. On va juste faire une maille serrée. Voilà. On va faire ça tout le tour et vous voyez, ça crée un petit relief ici qui est plutôt joli. Et ensuite, on fera le point qu'on va utiliser. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, donc vous voyez, ici on a la maille en l'air qui nous a servi à monter la maille serrée et ici la maille coulée. Donc il ne faut pas crocheter dans ces deux mailles-là. On retire le marqueur et on fait une maille coulée dans la toute première maille serrée, donc à la place du marqueur. Et on va commencer le point. On monte une maille en l'air. Dans le brin arrière de la même maille, on fait une maille serrée. Et là, on va positionner à nouveau le marqueur. La maille serrée suivante, on va la faire, mais au pied de la maille serrée. On va faire une maille serrée allongée. Vous allez tirer sur le fil et vous allez fermer. Hop. Voilà. La maille serrée suivante, elle est là, vous la voyez. On va prendre le brin arrière de la maille et on fait une maille serrée. La maille serrée suivante, elle est là. Hein. Celle-là, c'est en fait toute la maille serrée, c'est celle-ci. Et la suivante, elle est là. Bah, pareil. On va prendre un peu de fil pour aller au pied, ici, vraiment en bas de la maille serrée, pour faire une maille serrée allongée. Allongée, ça veut dire, c'est quand en fait on tire le fil et on l'allonge pour avoir un joli rendu. Comme ça, on voit bien le fil. La maille serrée suivante, ben, elle est juste à côté, là. Donc, on va faire la maille serrée dans le brin arrière. Et voilà, c'est simplement ça, en fait. On va alterner. La maille serrée suivante, elle est ici, hein. Ne vous trompez pas. Il faut qu'il y ait une maille serrée de séparation à chaque fois entre les mailles serrées allongées. Donc, on va au pied de la maille serrée et on l'allonge. Et on ferme.
Dans la maille serrée suivante, dans le brin arrière, une maille serrée. Et ainsi de suite, les amis, c'est ça qu'on va répéter et répéter jusqu'à la fin du tour. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, donc vous voyez, ici on a la maille en l'air qui nous a servi à monter la maille serrée et ici la maille coulée. Donc il ne faut pas crocheter dans ces deux mailles-là. On retire le marqueur et on fait une maille coulée dans la toute première maille serrée, donc à la place du marqueur. Et on va commencer. Le point, on monte une maille en l'air. Dans le brin arrière de la même maille, on fait une maille serrée. Et là, on va positionner à nouveau le marqueur. La maille serrée suivante, on va la faire, mais au pied de la maille serrée. On va faire une maille serrée allongée. Vous allez tirer sur le fil et vous allez fermer. Hop. Voilà. La maille serrée suivante, elle est là, vous la voyez. On va prendre le brin arrière de la maille et on fait une maille serrée. La maille serrée suivante, elle est là. Hein. Celle-là, c'est en fait toute la maille serrée, c'est celle-ci. Et la suivante, elle est là. Bah pareil. On va prendre un peu de fil pour aller au pied, ici vraiment en bas de la maille serrée, pour faire une maille serrée allongée. Allongée, ça veut dire, c'est quand en fait on tire le fil et on l'allonge pour avoir un joli rendu. Comme ça, on voit bien le fil. La maille serrée suivante, ben, elle est juste à côté, là. Donc, on va faire la maille serrée dans le brin arrière. Et voilà, c'est simplement ça, en fait. On va alterner. La maille serrée suivante, elle est ici, hein. Ne vous trompez pas. Il faut qu'il y ait une maille serrée de séparation à chaque fois entre les mailles serrées allongées. Donc, on va au pied de la maille serrée et on l'allonge. Et on ferme. Dans la maille serrée suivante, dans le brin arrière, une maille serrée. Et ainsi de suite, les amis, c'est ça qu'on va répéter et répéter jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour et on termine avec une maille serrée allongée. Puisqu'on a commencé par une maille serrée basse ici, on a bien la maille coulée de ferme quand on ferme le tour et la maille en l'air de départ. On rentre dans la toute première maille serrée en faisant une maille coulée en prenant les deux brins. Et là, on va faire en fait le contraire, c'est-à-dire que hop, maille coulée. On va commencer par une maille. Oh là, j'ai du mal. Une maille serrée allongée. On va faire les mailles serrées allongées sur les mailles serrées et les mailles serrées sur les mailles serrées allongées. C'est-à-dire que ici, on commence, on fait une maille en l'air pour prendre la hauteur de la maille serrée. Et dans la même maille, ici, on va commencer à faire la maille serrée allongée. En rentrant dans le pied de celle-ci. Tac. Oups. Je refais. Tac. J'allonge le fil et je ferme. Ok. Là, ici, je pose mon marqueur à nouveau en haut de la maille. Vous voyez?
Et on a, faut bien comprendre en fait ce schéma ici, enfin ce truc de maille en l'air et maille coulée. Ça, c'est la maille en l'air ici. Là, il y a la maille coulée et là, il y a la maille en l'air, pardon, et là, il y a la maille coulée. Donc, la dernière maille serrée allongée, c'est celle-ci. Donc, une fois qu'on a commencé, on va alterner en fait. On va faire un tour, enfin, ce sera toujours le même tour, sauf que, ben, quand il y a une maille serrée, on fait une maille serrée allongée. Et quand il y a une maille serrée, une petite maille serrée, on fait. Non, quand il y a une maille serrée allongée, on fait une petite maille serrée, comme ici. On va prendre le brin arrière. On va faire le contraire en fait du tour précédent. Et la maille serrée suivante qui est là, bah, on rentre au pied de la maille serrée, on fait une maille serrée allongée. La maille serrée suivante, elle est là, c'est une maille serrée allongée. On va faire une petite maille serrée en haut, mais en prenant le brin arrière. Ok. La maille serrée suivante, elle est ici. C'est une maille serrée normale, donc on va faire une maille serrée allongée. Et la maille serrée suivante, qui est ici, qui est une maille serrée allongée, on fera une petite maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. La suivante, c'est une petite maille serrée, donc on va faire une maille serrée allongée. Et la suivante, maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire, les amis. À chaque tour, on va alterner. Donc, vous voyez, le prochain, on termine ici par une maille serrée normale. Et on commence par une maille serrée normale. Puisqu'on a commencé par une allongée. Et ainsi de suite. On va se revoir à la fin du tour. Comme ça, je vous montre une dernière fois comment démarrer le tour suivant et les tours d'après. Et voilà, quand on arrive à la fin du tour, on termine bien par une maille serrée ici en haut de la maille serrée allongée. Il nous reste bien deux mailles hein, là avant d'arriver. Et ici, vu qu'on va commencer par une maille serrée à l'arrière, on va faire une maille coulée dans le brin arrière. Et c'est reparti, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, on remet le marqueur. Et après, dans la maille serrée, la petite, on fait une allongée. Et dans l'allongée ici, une petite dans le brin arrière. Hop, on voit le jaune. Et les amis, on va faire ça, et eh bien, jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. À chaque fois, en alternant. Et voilà les amis, alors, pour information, j'ai fait 25 tours, et il me reste tout ça de la deuxième pelote. Donc, autant dire que je vais faire un petit pot avec, ou même je peux faire une taille de pot moyenne avec ce qui me reste. Pour terminer, on va ici couper le fil. Et on va le passer voilà. On prend l'aiguille à tricot. Hop, je me mets là comme ça, vous voyez bien. On va retirer le marqueur. Et ici, pour fermer cette partie-là, on va passer. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est par là. Dans la première maille. Voilà, on ferme ici. Et on repasse par
la maille que l'on vient de terminer, juste à l'intérieur. En fait, on prend le brin extérieur. Voilà. J'aurais pas dû prendre une aiguille pointue pour ça. J'aurais dû prendre une aiguille à bourron, comme ça. Voilà. Mais ça le fait quand même. Et comme ça, la dernière maille, elle est bien faite. Ensuite, on va simplement passer pour venir cacher le fil. Dans les mailles, juste en prenant la maille extérieure, vous voyez, vous faites, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Ok, et ici je vais rentrer à l'intérieur pour venir cacher le fil à l'intérieur. Une fois que vous êtes là, vous allez essayer de cacher le fil à l'intérieur des mailles. J'aurais pas dû prendre une aiguille comme ça. Je vous conseille une aiguille à bourron. Voilà. Une fois que vous avez réussi à perdre le fil à l'intérieur, vous coupez. Vous coupez tout simplement. Ce petit bout de fil dedans, ça ne gêne pas, vous pouvez le garder comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre, placer le pot à l'intérieur. Regardez les amis, comment le cache-pot va parfaitement dans le pot que j'ai choisi. Ça baffe pas. Enfin, moi c'est ça que je voulais justement, hein, quelque chose de vraiment comme si je l'avais acheté en magasin. C'est pour ça que les mesures sont très importantes à respecter. Surtout, moi le conseil vraiment que je vous donne, c'est de faire en fait le cache-pot plus petit que le pot en lui-même, hein, de 1 cm voire 2 cm, même si après vous allez avoir un petit peu de mal à le mettre parce qu'il est bah, ça va être serré. Vous allez y arriver sans aucun souci et le résultat sera vraiment hyper beau quoi. Un autre conseil, je vous placez le cache-pot dans le pot, pardon, le pot dans le cache-pot avant de planter votre plante ou de la rempoter. Et voilà les amis, le résultat de ce joli cache-pot. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!